Attention. Et attention, oui. Du coup. Et voilà. Du coup, le petit. Putain, c'est trop mignon. Oui. Trop bien. Il y a un petit truc. Écrit japonais. Et un papier. Ah bah, ils nous apprennent à lire à la date de. C'est trop mignon. Oh, t'as vu, c'est des petits affiches et tout, c'est trop bien. C'est trop gentil. Bonne dégustation, oh, c'est trop gentil. En plus, c'est un français qui chacun aussi. Putain. Vas-y, je vais les suivre. Oh. Et voilà. Oh my gosh. Mais on garde pour la suite. J'ai faim. Et ouais, Marina, tu vas prendre tes assiettes. Hein? Oh, les regards sont partout. Alors, tout va tout. On sort partout. Ah, d'accord. Ah. C'est bon ça, oui. Konnichiwa. Alors, aujourd'hui, c'est une dégustation de sucré de Candy-san. Ok, alors commençons par. Mais. C'est en fait, tu peux sauter sur la table. Alors, mais bon. Et donc, voilà. Vous avez bien lavé les mains. Oui, c'est en tas. C'est bon, je pense. Alors, voilà. Bon, alors. C'est un petit thème de dire, avec sa feuille. Bon, on va commencer par. Le Baki. On va commencer. Anya. Anya, c'est O. On va commencer par le Pookie de fraise. Blablabla Pookie. Blablabla Pookie. Ah, mais arrêtez! C'est Pookie, ça. Ouais. Alors, voilà. On va l'ouvrir. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est trop bon. Vas-y, respecte. Vas-y. Voilà. Et donc, on va goûter. On l'ouvre. C'est pas bon. Ouais. On en a plein. On en a plein. Bah oui, on va ouvrir qu'un. Mais là, on sent. On peut en ouvrir deux. Un bel gros nez plein de maquillage. Ouais, je suis naturelle. Au coin de moi. Bon, en fait, j'arrive pas à le choper là. Tu peux m'aider. Donc, j'ai magnifié la vie. Tiens. Mais c'est bon, moi je te parlais pas de, je te parlais des géants. Mais bah, ça, c'est ça, ça prend le nez en fait. Voilà, là, ça va. Voilà. Comment tu veux entendre avec le détail, l'intérieur. Moi je suis d'accord. Attends, on va le combat. Pourquoi? Bah, d'accord. Ok. Pourquoi avec une voiture? Ok, go. Go. En fait, j'ai du chocolat là. Du chocolat, de la fraise. du chocolat. Il y a un dos. Du chocolat. Vous donnez la fin. Chocolat, c'est marqué. On peut pas. On peut voir les ingrédients. Je donne combien? Moi je donne 9 sur 10 en vrai. Non, 10 sur 10. Après, c'est un peu comme. On peut avoir un peu plus grand. Non, stop. Oh, c'est sûr. Ah, d'accord. Après, vous avez plus de place dans votre. C'est pas. C'est pour le chien. Alors, déjà, deuxièmement, ce sera. Non, je suis pas lourd. Vous avez entendu la liste? Alors, bah oui. Mais parce que c'est fait. Et donc, voilà. Le paquet. Aïe aïe aïe. Donc, on va péter. T'en as-tu trop? Ah bon, tu vas exploser. Le premier, tu vas exploser. C'est quoi, c'est mes cheveux? Ok, c'est mes cheveux. Le premier, tu vas exploser.
payé 1,79€ et lui je l'ai payé 1,38€. Non, t'as dit pas le prix, ouais. Le foulon. Le foulon, ça vient de Chine, vous vous rendez compte d'un peu? Oui, ça vient tout droit du Japon, vous pouvez l'écouter. C'est con. C'est pas Japon. C'est Japon ça. Mais t'es con, t'as dit Chine. Du Japon. Ouais, du Chine, on verra dans le vide. Ok, on reverra. Replay. On sent plus vite. Moi j'ai envie de sentir. Oh putain, elle se sent. Elle se sent trop bon. On se sent d'ici et même sans l'ouvrir, vous le sentez. T'as pas besoin. Comme ça. Comme si t'étais. Ah, voilà. Ouais, on met pas d'amour dans la bouffe. Ouais, on croque pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. En même temps, attends. C'est un chewing-gum. Chewing-gum. Oh non, c'est bah c'est averti quoi. On voit pas, je crois. C'est trop bon, ça change des marshmallows là, en France. Voilà. Les Japonais, ils ont ça tous les jours. Allez, plus de... C'est comme les mouchis. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Ah, non, il y en a. Faut se faire sortir le jus. Des mouchis, je donne 10 sur 10. Ah ouais, bon, en fait, c'est marshmallow avec des myrtilles. Oh, cool, hein. Les gars. Et. Ça va enlever parce qu'on s'en fout. J'ai bien. Et KitKat au thé vert matcha. Ça, c'est vraiment 100% japonais. Il y a différents goûts. Je rien. Ça d'eau. On a trop mangé parce que. En plus, on peut. Ah oui, ça a l'air trop bon. Ouh. Et ça se présente aussi. Mais vous, enfin, juste toutes les deux. Et moi, je vais prendre un paquet. Ah ouais, c'est ça. Et voilà. Regardez le petit paquet. Non, faut ouvrir d'abord. Vidéoman, ça sent super bon. Ça sent le poisson. Marina. Non, mais Marina, c'est un problème, je crois, de venir. Ok, on peut t'en faire Marina. Non, un. On chine. Un, deux, trois. Oh, c'est méga bon. Attends, t'as raison, c'est du poisson. C'est du thé vert. Tu m'as mis l'odeur du poisson dans la bouche. Mais non. C'est vraiment goût de thé vert. Un peu trop. Et lui, il m'a coûté 3,31€. Du thé poissonné. Et ouais. Moi, je vais mettre un 5. Alors, franchement, je suis pas fan. C'est typiquement japonais, ouais. 5. 4. Parce que ça a fortement le goût de thé. Ouais, on dirait un peu. Oui, mais, on dirait un peu le goût de poisson, mais sinon c'est bon. Pas juste un petit goût. C'est un problème. Je suis pas fan. Moi je mets 2. 0 même. Total, t'as dit 4. Ouais, total. Ah, mais non, j'ai pas. Moi je sais pas, je noterai plus tard à la fin de la vidéo. Maintenant, passons à. Non. Kinoko Noyama. Par exemple, t'as dit du chocolat au lait. Donc, c'est donc, Kinoko, ça veut dire champignon en japonais. Et Yama, ça veut dire montagne. Donc, ce qui veut dire champignon de. Attends. Montagne de champignons au chocolat. Ça en dit. Et c'est bon. Hein, mais sinon, je vois pas. Et c'est ça. C'est la sauce. Trop bien. Qui aime les champignons? Les méchants. Et les mignons. Les champignons. Et les chignons. La blague. Tu veux on voit Marina? Oui, on voit pour la voyer. Je sais que c'est une mannequin, mais voilà. Ah, vidéo web. Ça a l'air très bon, ça aussi. Ah putain, ouais, konnichiwa. Non, non, je suis pas sûr. J'ouvre. Toi, tu sais pas où. Bon, allez, c'est fini parce que. Et là, la fin de la vidéo. Bon, au final, elle n'aura pas. C'est bon, regardez, partie 2. Continuez-vous à poser. C'est menti. Vous savez, mais c'est mignon quand même. C'est léger. C'est un peu plus mignon, mais c'est mignon. Mais en même temps, le champignon, c'est plus petit. Donc... Pas non, c'est trop mignon. Ah, mais c'est comme des cadeaux en fait. Oups, je te donnais le champignon. C'est comme des cadeaux. J'ai bon, bah. Fou. Ah, bah, tu es. Hop. Et du coup, moi. Et voilà, ça donne ça. En tout cas, l'odeur,
c'est très reconnaissable, un Japon, parce que en fait, t'as dit reconnaissable. C'est le mec Mikado en fait. Oui, mais ouais. Bizarre, hein. Ouais, c'est comme du Mikado. Sauf qu'il y a plus de chocolat au-dessus. Moi je mets 1. Moi je mets 5. Pourquoi je suis déçue parce que tu viens de nouveau? Et maintenant on va passer au koala no machi au chocolat. Qui me coûtait 1,29€. Et donc, je lis l'histoire quand même. C'est 1,29€. Bon, on fait. Bon, pire, je dis pas le prix. Ouais, non, j'ai pas le prix. Bon, maintenant, on va passer au koala no machi au chocolat. Est-ce que toi, c'est seulement moi? Qui a été lancé. Voici la petite boîte avec des petits koalas trop mignons. Petits biscuits en forme de koala. Bon, je lirai l'histoire directement. Enfin, vous verrez sur le site. Hein. La Koala no Machi a été lancée en 1994 pour soutenir la Australian Koala Foundation. Aujourd'hui, l'entreprise a fait don de plus de 8 millions de dollars pour la recherche et la préservation des koalas. On voit que t'as une feuille, ça m'entend. Et en plus, c'est marqué quelque part ici, Australian Koala Foundation, ici, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez pas, oui, que dalle. Et voilà, c'est marqué là. Et du coup, voilà. Ça, c'est comme tout préféré. Pour l'instant, voici le chat. Donc, on va le lire. Ouais, pour l'instant, j'en ai pas. Ouais. Mais c'est le chemin là. C'est trop. Putain, c'est quoi maintenant? C'est le Mikado. Ouais, et après. Ah, j'ai... avec un mec. Ah, mec. Ah, le Mikado après, c'est bon. On juge pas. Oh là là, c'est pas. Ah, c'est le dernier. Non, c'est le poisson. C'est le juste. Ah, là, après, c'est le dernier. Et voilà. On devient un peu des céréales, oh. La forme. Mais est-ce qu'on est en train de manger des koalas? Bah, mais c'est pas très gentil, hein. Bah ouais. Non, mange pas maintenant. Mange jamais plus tard. Voilà. C'est toi le meuf qui mange. Ah, vous avez déjà goûté? Non. On traîne pas ce que j'ai acheté. Un, deux, trois. C'est un peu comme les céréales, là. De quoi pour rien? On fait qu'il y a du chocolat dans l'intérieur. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est là. Oh, ok, un peu. De chacune. Ah, il y a des trucs différents. T'as montré ça? En fait, il y a du chocolat, c'est différent en fait. Les... Comme dit Rebecca. Alors. Merde. Maintenant, la boisson. Une boisson. Qui est du thé vert. Il paraît que c'est sans sucre. Donc on va voir ça. On met les tasses, il y a des tasses. Hein. Bon, là, ça c'est des tasses en fait. C'est pour ça qu'il y en a. Bon, attention, si je le dépose. Donc Santa, c'est très. Et voilà. On peut pas ouvrir. On dirait de la dinette avec le truc gris. Ah ouais, t'as raison. Donc c'est. Ouais. Ah oui, là. Et voilà. Mais je t'ai pas parlé comme ça. Ouais. Non. C'est quoi? Donc on veut goûter. Mais je te réponds pas comme ça. Il paraît que le thé vert, c'est pas pareil qu'en France, qu'il y a aujourd'hui. Ah, c'est pas le goût du poisson. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu m'en mets un petit peu. Donc, ah bah ça tire, ah bah je peux sentir, on sent. Ça sent. Ah. Oula, mais y'a quelqu'un qui a gerbé ou quoi? Chut. Mais y'en a, j'ai vu dans une vidéo qu'ils ont aussi. C'est que ça ressemble à du pipi. Ah, super. Super. Bah, la version. Écoute, on va voir. Oui, bon.
Vous êtes trop dans l'apparence, vous. Goûtez. Mais imagine, c'est la piste de cola. Mais le mec, il a dit la même chose que toi. Moi, là, je suis allée goûter d'abord. Imagine quand elle a pissé, il s'est dit ouais, on va mettre ça comme un TV. Mais c'est bon, je trouve. En fait, c'est du thé vert sans sucre. J'aime pas du tout. Oh, c'est horrible. Genre, tu vois par ça, toi? Non, ça va, moi j'aime bien. Perso. Ah, c'est du thé vert sans sucre. Et sans sucre, c'est bizarre. Ah, c'est dégueulasse. Mais en fait, c'est froid, non, on boit. Ouais, c'est froid. C'est ouais, on boit chaud. Peut-être qu'eux, ils les boivent froid. Mm. C'est horrible. Hein. Parce que d'un zéro. Du pipi. Zéro. Mais tu l'as bu quand même. Un zéro. Voilà. Moi, tu mets. Un peu continuer à bouffer les trucs, non? Bah non, ouais. Alors du coup, on représente tout. On remet du début. On remet les notes. Oh, attends, non. D'abord, il faut mettre les produits là. Donc, moi j'avais mis. Putain, mais je suis une poubelle. Pour ça, j'avais mis 10, j'avais mis 10, j'avais mis 1. Pourquoi 1? Pour la bouteille. Ça, j'ai mis 1, 10, j'ai mis 11. ça, j'ai mis 2. Oh, ok, mais en fait, il est parti. J'ai pas de poubelle. Mais après, ouais, j'ai commandé ça. Un peu. Ouais, quelques-uns. Ouais. Et la prochaine fois, ça me commandera plein. Maintenant que tu sais que ça arrive, ça. Ouais. En plus, j'ai commandé le 17 février et c'est ouais. Venu le lundi. On était combien le lundi? On était le. On était combien le lundi? Attends. On était le. Moi, je mets 10. Je mets 10. Oh, on était le 1er mars. Eh mais attends. J'ai commandé le 17 février. Je mets 11 pour l'expédition. Et c'est venu le 1er mars. Ça va, hein. Moi, je crois que ça allait mettre un mois, mais non. Ah, ça peut mettre un mois. Bah oui, mais pas qu'il y a eu des retards et tout. Bref. Bon, bah ça, je mets 10. Ça, je mets 5. Je suis un peu déçue. Voilà. Tu crois que c'était... Et ça, 0. C'est dégueulasse. Ah, Maria. Ok. Alors moi, j'ai mis 10. 11. Non, Marie, non, Marie, non, on dépasse pas les 10. D'accord, bah 10. 1, parce que c'est du thé donc qui respecte. Quoi? C'est respectable. Ça, c'est quoi déjà? C'est oh, des. Mais 10, c'est très bon. Comme Mathieu. Mais je mets 9,5. Tu as mis 9,5? Je mets 5. Ah ouais, t'aimes bien? Non, même pas. Alors, mais 0. 5, c'est pas. À mon tour. Bah, je mets deux parce que j'avoue que c'était... Deux pour le... Deux pour l'odeur, hein, parce qu'on dirait du poisson. Et Ah, je crois que t'aimais le poisson. Et le goût. Non, mais parce que de base, c'est censé sentir le thé vert. Ah, oui, bah ça sent aussi le thé vert un petit peu. Non. Ça sent pas tout le thé vert. Ok. Là, mais le goût. À moi. Donc lui, non. Je mets... 8. Pourquoi? T'aimes pas quoi? Moi, je suis pas très fan de la fraise de base. Après, c'est mon goût, hein. Moi, j'aime bien. Lui, je mets 10. Parce que c'est vraiment original. Même lui, c'est original. L'odeur, elle est très bonne. On dirait un champ. Et le thé. Non, et vous allez rire. Mais je vais mettre 10. C'est bon, t'as. Alors là, je vais rire. Hein. Vas-y, bah rigole. Et lui aussi, je mets 10. Lui, je mets 5. Et lui, je mets 10 parce que c'est vraiment original aussi, l'étiquette comme ça. L'étiquette l'étiquette. Et donc, on nous dit. Agnaseo. Non. Faut pas trouver tout ton texte. Non, mais arrête, Rika. Voilà. Ça nous y a. À la prochaine vidéo. Ah mais j'ai dit en coréen moi.